Allez, et 3, et 2, et 1, et bien bonjour à tous, c'est Willy Gmod et bienvenue mes amis dans un nouvel épisode de Willy & Co en compagnie de Pietro. Salut Pietro! Salut tout le monde. Alors vous risquez de m'entendre en écho, c'est normal, normal. Il faut savoir que Pietro s'est acheté un nouveau micro, sauf qu'on n'arrive pas à le faire fonctionner correctement. Donc bon. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas les ports. Disons que c'était une petite publicité mensongère. Normalement, c'était un port jack. Et finalement, c'est pas un port jack. Donc, forcément, C'est con, mais c'est ça ne comme ça. marche pas. Et ouais. Donc voilà, mes amis. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être très simple. Déjà, il faut savoir qu'en off, et je l'ai pas fait en live, j'ai demandé au mignon de me terraformer la montagne. Parce que fuck, hein, on va dire ce qui est. Et donc, parce que les mignons ont eu la gentillesse de me terraformer la montagne, nous allons avoir des pousses. Des pousses de quoi? Des pousses d'arbres. Lol. Ça paraît logique. Non, les pousses d'arbres, pour tout simplement, pardon, se faire des tuyaux. Des tuyaux pour commencer mon système de coffre, qui sera très difficile à faire, mais qui sera néanmoins à faire. Parce que bah, sinon, on risque d'avoir des problèmes à la longue. Alors on entend aussi Pietro qui pianote sur son clavier, c'est pas extrêmement grave. C'est vraiment pas extrêmement grave. Alors j'ai eu un commentaire. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a demandé de faire un champ dans un arbre. J'ai pas très bien compris pourquoi. Mais bon, allons-y gamin, écoutez. Moi, je vous ai dit que je réaliserais vos défis. Je vais le faire. Sur les villes, le champ dans l'arbre, il faudra qu'on m'explique un jour celui-là. J'ai pas tout compris dans ce coup-là. Ok, alors, les minions qui sont toujours en train de bosser dans la mine là-bas. Je vais essayer de les ramener par là, ces crétins. Si jamais ils veulent bien. Ouais. Youhou, les minions. Ça vous dit pas de venir un jour? Non. Bon, ok. Si jamais vous insistez. Voilà. Maintenant, vous allez me couper tous les arbres. Voilà, et donc là, en fait, voilà, c'est comme ça que je vais me récupérer les arbres, simplement. Les mignons vont me les couper, ensuite ils me ramèneront tout. Ce sera beaucoup plus simple ainsi. Voilà, vous voyez. T'aurais du hash? Hein? Est-ce que t'aurais du hash? Du hash? Non, je n'ai pas de hash, désolé. Qu'est-ce que Il en t'appelles du... faudrait parce que le rouge c'est plus moche. Qu'est-ce que t'appelles du hash? Du hache. La poussière. De quoi? La poussière. De la poudre à l'os, quoi. Non, pour faire du colorant gris clair. Ouh là là, je vois pas du tout de quoi t'es en train de me causer. Viens là. Attends, les mignons sont en train de me couper les arbres, laisse-moi le temps de replanter ça. Au minimum. Adieu. Oui, merci, fourmi, c'est cool, merci. Adieu. Je sais pas pourquoi je lag, qu'est-ce qui se passe? Mais merci, t'es con, toi, je suis pas à côté. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi je lag à ce point? C'est impensable. Que j'ai une question à te poser très, très importante au niveau de la maison. Quoi ce qui se passe Bref, j'ai combien de pouces? J'ai quasiment rien quoi, sans deck, c'est une blague. T'as une question à me poser, tu vas attendre 3 secondes si jamais cela ne te dérange point. Voilà. Mais non, pas là, couillon. Oh putain, mais mes couilles, mais ça commence à me caver cette histoire! Ah mais... C'est quoi ces lags de mort là? Sans déconner, je suis tout seul sur la connexion. C'est pas croyable ça. Voilà. Vous allez me couper ces arbres. Et vous vous grouillez. Je pense que c'est le fait de couper les arbres qui me fait laguer. C'est très con, mais...
c'est très comme ça, j'ai l'impression. Ouais, que ça marche bien quand même. Hein. J'ai beaucoup d'arbres. Formi, oh c'est trop mignon. Ok, allez, viens là toi. Et donc, merci. Ok. Allez, go. Disparaissez, mignon. Bah alors. Putain, la vache, j'en mets du temps, c'est un truc de fou. Ok, donc là, il y en a encore. Je sais pas ce qui se passe, je lag. Bon, mes amis, petite coupure, je reviens. Voilà, donc, chers amis, après un check de connexion et tout le merdier qui va avec, je comprends toujours pas ce qui se passe. Je lag pour des raisons qui sont parfaitement obscures. On va dire que c'est les joies de l'Internet. Donc voilà, chers amis. Alors, on va commencer à se faire des tuyaux. Alors, pour se faire des tuyaux, il va falloir commencer en toute chose par aller sur Project Red. Alors, il va nous falloir... Où est-ce qu'ils sont, ces couillons de tuyaux? Ils sont là. Alors bon, les tuyaux de transport d'items, ça on va en avoir, là n'est pas le problème. Moi, il va me falloir un tuyau routeur de requête, en premier lieu. Pour ça, il va me falloir un tuyau routeur de jonction. Oh putain, oui c'est vrai. Pour ça, il va me falloir du silicium infusé, qui va se faire avec du composé de silicium rouge, qui lui-même va se faire avec du silicium entouré de redstone, qui lui-même va se faire avec une boule de silicium coupée avec une scie en diamant, qui lui-même va se faire avec composé de sable et de charbon, qui lui-même va se faire avec 8 sables et un bloc de charbon au milieu. Ça va être très long, très chiant. Est-ce qu'on a du sable? Le mieux serait qu'on ait du sable. On n'a qu'un seul sable. Fork. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Hop. On va mettre ça là pour commencer. Tac, tac, tac. La poudre d'eau, ça va aussi aller là-dedans. Et puis, ça aussi, après tout, c'est de la bouffe. Voilà, alors, pour le sable. Pour le sable, l'idéal serait que je me trouve un désert. Comme ça, le désert, je le farm en mode balestèque. Les minions, ils me récupéreront tout le sable possible et imaginable. Mais en attendant, attendez que du désert, j'en ai pas. On va s'amuser à récolter tout ça à la mimine. Hop, ça devrait pas être très long, il ne faut pas énormément de sable, enfin un peu quand même, mais pour plus que ça, je pense qu'un stack ça devrait suffire. Bon, ça va, c'est pas comme si c'était super long à avoir. Alors cet épisode risque de durer longtemps, peut-être qu'il sera coupé en deux, j'en sais rien du tout. Pour le moment, étant donné que je suis en train de le tourner, je serais incapable de vous dire. Donc si jamais vous voulez que la vidéo se termine sans que je vous ai dit au revoir ou chose comme ça, c'est simplement parce que l'épisode est coupé en deux parce qu'il est trop long, c'est tout. Hop, parce que j'aimerais bien avoir un système de tuyauterie fonctionnel. Tant qu'à faire, ce serait de même idéal. Voilà, j'ai plus d'un stack, ça devrait largement suffire. Bon, pour ce qui est quantité de charbon, ça va, ça devrait être, je pense, largement faisable. Alors, comme vous voyez, j'ai une nouvelle épée. Oui, pourquoi? Parce que c'est tout de même important que vous expliquer pourquoi. Il s'avère qu'en off, j'étais en train de discuter avec Pietro, et un creeper est venu en mode « Coucou !» Et, enfin, c'était pas un creeper à l'origine, c'était un squelette, mais on a supposé qu'un creeper était aussi de la partie pour la bonne et simple raison que ma... Pour la bonne et simple raison que ma tombe a totalement disparu. On sait pas où elle est, on sait pas ce qu'elle devient. On sait pas si elle passe de bonnes vacances au soleil. Le fait est que on l'a perdue. Alors, Pietro pourra vous confirmer, j'ai ragé comme le pire des rageux de la planète. Oui. Mais c'était néanmoins justifié vu ce que j'avais. Hein. C'est vrai que c'était drôle. Drôle pour toi, moins pour moi déjà. Hop. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que... Wait, what the... D'accord. Tu n'as plus de charbon, toi, c'est extrêmement curieux. Ça. Je n'accepte pas que tu n'aies plus de charbon. Hop, voilà, donc ça c'est bon.
Alors. Donc, de ce que je sais, il va me falloir de la scie en diamant. Hop, alors, laissez-moi revoir tout ça, parce que vous en conviendrez, les crafts, c'est assez compliqué. Alors, donc, si ma fusée, qui lui-même va devoir être. Ah oui, c'est vrai. Hop, boule de silicium, machin, truc. Ok, donc, des boules de silicium, en fait, je vais en avoir pas mal, visiblement. Donc, ça va, je devrais être ok pour un moment. Là, j'en ai deux. Là, j'en ai deux. Là, j'en ai deux. Et le reste va venir. Non. Le reste ne vient pas, what the fuck? J'ai dit, le reste va venir. Non, mais. Vous, les moutons, fermez-la, sous peine que je vous transforme en carpette. Non, mais. Ah oui. Je m'emmerde à attendre ça alors que c'est là. Normal. Alors, donc le huitième devrait pas tarder. On se dépêche. Voilà. Merci. Donc ensuite, ça avec ça. Donc là, j'en ai un stack de 64. C'est bien. Pour ce qui est de la redstone, on a plus que largement ce qu'il faut. Hein, pas déconner quand même. Voilà. 40 quelques de redstone. De quoi rendre fou Mister Geek en personne. Prendre plus le silicium, j'en aurais peut-être besoin ultérieurement. Je préfère encore le garder et le mettre ici. Voilà. Alors, faut savoir que là, pendant qu'on parle, hein, Pietro est en train de construire la baraque. Ah, j'essaye parce que ça me plaît pas. Voilà. Donc, il fait ça à son aise et on va voir comment ça se passe. Si jamais vous avez des conseils en commentaire, surtout n'hésitez pas. Il faut toujours être bien d'avoir des conseils. Hop, hop. Et donc toi, tu vas là. Ok, donc j'espère que c'est bien comme ça, si je dis pas de conneries. Silicium infusé, composition rouge, à cuire, ok. Et donc ensuite, dans la chose, il va me falloir du diamant, de l'illuminard vert et de l'illuminard rouge. Est-ce que les blocs sont là? On n'a pas de colorant. Hein? On n'a pas de colorant. Mais moi si, moi j'en ai des colorants. T'as des colorants quoi. Bah tu crois que je me suis fait chier à planter des arbres pourquoi? Et tu me le dis pas. Je te l'ai dit qu'il y avait un. Que j'avais terraformé la montagne à côté de la maison. Et que j'avais Oui. planté des arbres à plus savoir quoi en foutre. Oui. Alors? Oui. Bah alors? Bah alors quoi? Eh bah alors, si jamais je me suis emmerdé à planter des arbres, c'est bien pour avoir du colorant. Étant donné que les pousses d'arbres peuvent aussi servir de colorant. Tu m'as dit que tu t'étais emmerdé à faire pousser des arbres. Tout à fait. En coupant les arbres, ça me donne des pousses d'arbres et donc du colorant. Oui, mais je ne savais pas que c'était des pousses d'arbres de colorant. Tu crois que je me serais fait chier à planter de l'arbre normal alors qu'on en a foison juste à côté? Ben, je ne sais pas, justement. C'est pour ça que je me posais la question, moi. Mais rien ne t'empêche de venir voir. Je t'ai dit où c'était. Non. Je t'ai pas dit où c'était? Tu te fous de moi, là? Oui. Merci. C'est parce qu'il me semblait aussi. Je sais plus quoi faire. SOS William en détresse, je sais plus quoi faire. Hop, donc la pierre lumineuse, il va m'en falloir à foison. Donc c'est parti pour les minages. La la la. Donc vous voyez mes amis, ça se fait hein, petit à petit. Voilà, donc ça c'est bon. Alors, illuminard vert et illuminard rouge. Il me semble, si jamais je dis pas de conneries, que j'ai des pousses vertes et rouges. Pousse rouge, j'en ai trois, je veux pas aller loin avec ça. J'ai du vert de cactus, cela dit.
Et je dois aussi avoir du rouge de rose qui traîne dans le coin. Si jamais je suis pas trop aveugle, je devrais le voir. Mais cela dit, visiblement, je suis aveugle parce que je le vois pas. Non, ben je vois pas. Tant pis. Je sais pas s'il y en a. Si jamais il y en a, je suis aveugle. Alors, je crois que c'est comme ça. Si je dis pas de conneries, voilà. Un illuminaire rouge, on peut aller loin avec ça. Et de l'illuminaire vert, ça par contre j'en ai 8. Hop, à la recherche de roses. Donc, ça tombe bien, des roses, il y en a juste là, vous savez quoi? Je vais pas m'en priver. Alors je sais qu'avec le pulvériseur, je pourrais en avoir deux fois plus. Je dit, je vous rappelle que le pulvériseur, on l'a pas encore. Ça se fera, vous inquiétez pas. Mais je veux d'abord être installé dans une maison digne de ce nom. Quand même, pour les connaître. Du rose, du rose, du rouge de rose. On n'en a pas, tant pis, écoutez, on fera sans. Hop. 7 et 8, c'est un bon compromis. Merci. Merci. Et merci. Très bien. Voilà, donc ensuite. Enfin, on va me faire ça, il va me falloir du diamant, une vitre. Alors ça. Je vais le foutre dedans. Comme ça m'évitera d'avoir à checker tout le temps. Non, je peux pouvoir m'en faire des masses, mais étant donné que ça me les donne par 12, je trouve que c'est déjà assez généreux en soi. Toc. Il fallait des vitres. Des vitres, des vitres, des vitres, on en a deux. Ça va pas être suffisant, ça. Voilà. Et il me fallait aussi des diamants. Des diamants, j'en ai 29. Plus 18 blocs. Ça devrait faire l'affaire. Tout du moins pour un début. Je crois que c'est comme ça, hein, ouais. Ça devrait être pas trop mal. Hop. Et donc là j'en ai 48. Quoi, c'est tout? T'es sérieux? Bon, 48, je suis déjà pas si mal. J'aurai de quoi faire. Du moins pour un temps. Ok, alors, il me fallait un tuyau routeur de requête pour commencer. Donc, avec un routeur de jonction, de la redstone et du diamant. On va faire ça comme ça. Hop, toc. Parfait. J'ai mon tuyau routeur de requête. Donc j'ai mon tuyau, mes tuyaux routeurs de jonction. Il me faut les tuyaux routeurs d'interface aussi. Alors comment ça se fait ces conneries-là avec le routeur de jonction? Voilà, on va en mettre 5. On va mettre de la redstone dans ce coin-là. Et donc, tout ce qui me manque, c'est des pépites d'or. Hop. Pouf, pouf. Ça devrait être faisable. Hop. Tuyau routeur d'interface. On a 5. C'est peu, très peu même. Hop. 10. Déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce que... What the... Là? Qu'est-ce que c'est que ça? Des Sovereign Gold Coin. Coin of the Realm. Tiens. D'accord. Avec ton magnifique accent anglais. Bah oui, tout à fait. Pietro, j'ai de l'argent. Bah, rends-le aux abonnés. Je ne touche pas d'argent des abonnés, cher Pietro. Ah bon, tu le touches pas? Tu fais quoi? Tu l'avales alors? Par pitié, je t'en prie. Je ne touche aucun argent des abonnés, ça il faut le savoir. Si jamais un jour quelqu'un vous dit ouais, c'est pas vrai, toujours des abonnés, c'est pas vrai. En vrai, Oui, parce que sinon,
tu serais pas dans sa situation actuelle. Oui, d'une, et puis de deux, je me ferais pas chier à bosser en tant que chariste non plus. Hop, alors, allons directement à la maison. Alors, c'est pas fini, hein. Il suffit pas juste que je me fasse des tuyaux pour que ça fonctionne. Non, non, non. Après, il y a les cartes qui vont avec. Et les cartes, c'est nettement plus chiant à faire. Parce que je peux les upgrade, ces conneries-là. Et pour les upgrades, les deux premières parties, enfin les deux premières upgrades, ça peut aller. Aussi bien la troisième qui se fait avec des émeraudes, c'est un tantinet plus compliqué quand même, hein. Comment tu fais les plaques avec un trou au milieu? Tiens, une porte. Tu fais comme un coffre. Sauf qu'au lieu du coffre, tu mets les plaques que tu as sciées. Merci. Alors, qu'est-ce que. Bah, il est passé où mon coffre en diams? Que Ne sera j'avais plus mis. là. Hein? Il sera où alors? Pour l'instant, je sais pas. Ok, donc en gros, je me suis fait chier à faire ça pour que dalle, on est d'accord? Si, si, je sais où il sera, t'inquiète pas. J'arrive, je finis juste ça. Ben, Je je te t'en dis prie, où je t'en prie. Donc voilà, en fait, c'est comme ça que ça va se passer. Ici, 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 et là, il y aura des coffres, et on creusera en dessous si besoin, parce que bien évidemment, il y aura besoin, il y a tellement de trucs qui sera dans ces coffres, que ça se trouve, les deux étages, ce sera pas suffisant. Pour vous dire à quel point, ça va être short quand même. Hein. Mais enfin voilà, sinon, la maison. Ah, tu peux me dire ce que ça, si ça te plaît, le rouge là pour la maison? Ça va, c'est bien. C'est bien, moi j'aime bien perso. Voilà, et surtout si jamais Pietro met des couvercles, c'est parce que les tuyaux passent derrière, évidemment. Oui, sinon on ne peut pas chier. Donc ça c'est Clairement. routeur enquête. Et ça c'est tuyau routeur d'interface. Alors il me semble bien que c'est l'interface qui doit être derrière. Hein. Pour rentrer en interface avec le coffre, ça doit être l'interface, je pense. Donc du coup mon coffre en diamant, est-ce que tu sais où est-ce qu'il sera? Parce que moi limite le coffre en diamant, je pensais le mettre dans l'entrée, enfin dans l'entrée à côté de la porte quoi. Justement. Justement. Pour l'instant. Parfait. Parfait, parfait, tu m'excuses, je creuse, hein, je le repasserai après. Hop. T'inquiète pas, rien, j'avais pas. Alors, donc pour le tuyau routeur d'interface, cela se fera comme ceci. Donc là, avec un clic droit, vous voyez ce qu'il y a dans les coffres. Là, vous ne le voyez pas, mais cela dit, vous le verrez, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que. Oui, d'accord, c'est très très bien ça. Il va me falloir. Est-ce que tu as une scie? À côté de ton Ok. coffre en diamant. Parfait. Parfait, mais finalement, ce sera peut-être pas utile. Ok. Mais, enfin, si, ce sera peut-être pas utile, ce sera forcément utile, hein, bien sûr, mais. Étant donné que je vais essayer de cacher les. Que je vais essayer de cacher les câbles dans les murs, il vaudrait mieux, tu vois, que j'ai des couvercles. Oui. Donc, ça, après, ça part comme ceci. Donc, avec les tuyaux routeurs de jonction, parfait. Donc là, ça passe. Ensuite, voilà, tu m'excuses. Non. Ben, t'as pas trop le choix en même temps. Voilà. Donc non, les tuyaux routeurs de jonction, on va pas les gaspiller inutilement parce que ça, c'est déjà suffisamment cher à faire. On va se faire des tuyaux de transport d'items, à savoir avec de la roche et des vitres. Ça, on a largement de quoi faire. Tu as de la roche, toi? Oui, dans le coffre cadeau. Enfin, si, enfin, quoique. Il est où le coffre en question? Où moi je mettais tout ce qui traînait. Là, tu mettais tout ce qui traînait. Ah, dans ton espèce de mine là-bas? Non. Enfin, le coffre qui est juste devant la maison. Ben, y a pas de coffre devant la maison. Mais si, qui est en dessous l'arbre noir. On va au-dessus de toi. Oui, mais dans ces coffres-là, t'as pas de.
T'as pas de pierre de cobble cuite, quoi. Ah non, mais t'as des fours juste à côté, sérieusement. Non, mais c'est pour savoir si t'en as, parce que moi j'en ai là-bas, donc... pourquoi me faire chier à les faire cuire, donc à utiliser du charbon, alors que là-bas j'ai ce qu'il faut. Ça fait aucun sens. Ah là 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 là, Pietro, tu me facilites pas la tâche, hein, vraiment. J'ai pas, tu me demandes de la cobble. À chaque fois, je te demande de la cobble. C'est vrai. Mais c'est pas une raison. Désolé, tu ne m'auras pas. Je sais pas que tu me demandes de la cobble, moi je suis pour une de la cobble, pas forcément de la cobble cuite. T'inquiète pas, c'est ce qu'il faut. Alors, ça c'est bon. Il me semble bien que j'avais ça quelque part. Toc, toc, toc. Parfait. Tu auras ta jonction, 2 stacks et demi. C'est rentable. C'est même plutôt rentable. Plutôt pas mal rentable d'ailleurs. Voilà, on va faire ça comme ça au passage. Tant que j'y suis. Je me suis planté. On va prendre ça. Hop. Et voilà. Donc, c'est reparti pour un tour. Alors là, les câbles, je vais carrément les faire passer sous le plancher. Hein, parce que vous avez pas vu. Mais il n'y a pas de torche. Si jamais il n'y a pas de torche, c'est parce que en off, j'ai fait en sorte que... J'ai fait en sorte de mettre des micro-blocs de glowstone sous le plancher. Comme ça, ça éclaire. Alors que il n'y a pas de torche. Ce qui est plutôt bien. Alors, t'as un peu de glowstone, semble dire. Ça, c'est pas mal, quand même. Non, mais tu te fous de moi, là. C'est pas possible. C'est une blague. T'es loin de m'en ramener. L'épisode précédent, le Nether, le farm de la glowstone, non, ça te... Si, mais tu m'as pas dit que t'allais en ramener. J'en ai pas ramené là, mais enfin, j'en ai dans les coffres là-bas, enfin. Si jamais je l'ai fermé, c'était... Voilà, tout ce que j'ai à te dire. Fais gaffe, j'ai une épée en rubis qui fait extrêmement mal. Je ne te conseillerais que trop de pas me chercher sur ce terrain. Tu parles beaucoup, mais t'agis pas beaucoup. T'agis peu, hein. Oh la vache, comment il me cherche, le mec. Je vais tellement t'en mettre plein la gueule. Tu vas plus rien comprendre à la vie, mon pauvre. La dernière fois que t'as voulu faire ça, il y a eu 10 ans. Oui, sauf que la dernière fois, j'étais pas armé comme je le suis actuellement. Ni stuffé, d'ailleurs. Alors, hein, un peu de tenue, s'il te plaît. Donc voilà. On va faire ça comme ceci. Et donc là, putain la vache, oui, d'accord, je passe sous la baraque carrément. Ça, ça va pas trop le faire, ça. On va modifier ça. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc voilà comment on fait des micro-blocs, hein, c'est pas, c'est vraiment pas compliqué. Très bien. Non mais qu'est-ce que tu fais toi, reviens là. On va reboucher tous les vilains trous qu'on a fait avant que Papa Pietro nous pète un câble. Avant que Papa Pietro. Hein? Ouais. Tu veux que je dise Papa ou Papy? Hein? C'est qui, Papa? Ouais. Le gosse. Tellement vrai. Alors. Voilà. Donc ensuite, on va faire en sorte que tout ceci aille comme ça. Ah oui, alors là, par contre, je vais avoir un problème, moi. Parce que là, ce sont des couvercles, je suis d'accord. Mais moi, je peux pas passer. Hop, j'aurais dû toujours moyen de s'arranger. Hop, alors. Mettre ça comme ça. Donc, ici, nous allons reboucher. Voilà. Eh ben non, mais merde, je suis con. Mais non, pas reboucher. Triple en double que je suis. Hop, j'ai une table de craft sur moi. Non, bien sûr. Cela dit, il y en a une dehors. Voilà. Je sais pas si les piliers intermédiaires servent vraiment à quelque chose. Bon, à vrai dire, non, tu sais, on est dans Minecraft, hein, un bloc peut flotter en l'air indéfiniment. Mais, ah oui, comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Déjà, l'entrée est plus grande. Je trouve que c'est plus classe. Après, c'est mon point de vue.
Parce que j'en fait ton point de vue. Oui, j'imagine bien ce que tu peux en faire. Imagine bien même que tu es en train de le mâcher en ce moment. Hop, tuyau routeur d'interface. Ici. Et donc là. Nous allons faire ça comme suit. Là, de toute façon, il faudrait que ça parcourt tout le long. Donc, ça, c'est très bien. Par contre. Par contre. Pietro, dis-moi, cher ami, j'ai quelque chose à te demander. Parce que là, oui, ça fait un relief, c'est très intéressant en soi, mais je suis là, là. Là, là. Là, ça fait un relief, c'est très intéressant, je suis d'accord. Mais est-ce que ça te dérangerait de T'as genre détruire. tout cassé? Hein? T'étais pas bouché ou t'as tout cassé? Ah non, non, là, c'était pas bougé, là. Non, non, moi, j'ai rien cassé de ça. Pas déconner, quand même. Mais ça devrait être plein. Ouais, mais non, 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 justement. Non, mais non, Pietro, t'es pas le con. Justement, je voulais te demander, est-ce que les couvercles, est-ce qu'on peut les déplacer au lieu de les mettre ici? Est-ce qu'on peut les déplacer genre là? Comme ça? Non, là, là. Non. Non? Bon, d'accord. Aïe. Accouche-toi. Mais non, mais. Pourquoi? Parce que si tu veux, en fait, j'ai peur que les items fassent la route vers chaque coffre et que ça fasse chier. Tandis que si jamais je mets des tuyaux routeurs de jonction, les items seront directement par où aller. Ah, mais non, 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 autant pour moi, débile que je suis. Toutes mes Au-dessus. excuses. Toutes mes excuses, toutes mes excuses. Il y a au-dessus. Ah oui, c'est sûr, ça te dire. Il En y a fait, au lieu de faire le tour, tu peux passer par là. Oui, c'est On vrai. mettra des ghost blocks à son endroit. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais alors, du coup, on va pas faire ça comme ça. Hop, ça dégage. Ça dégage. Ça aussi. On est d'accord que, de toute façon, la maison de l'extérieur ne sert qu'à ça. À rien d'autre. On va faire en sorte par contre que l'étage soit nos chambres. The fuck Quoi? is shit? Ouais, toute la terre du monde ici. J'ai pas compris. Là, viens l'étage de la maison. J'arrive. Bouge pas. J'arrive tout de suite, ou presque. Mignon, ils vont creuser partout sauf la terre. Les mignons, ils ont creusé partout, sauf. La terre. C'est bien ce que j'avais compris. À l'étage ou pas? J'y suis là, oui. Oula. Ah oui, c'est. Non, ça c'est les mignons qui la posent, la terre. Je sais pas pourquoi ils s'amusent à poser la terre comme ça, mais ça je sais que c'est eux qui la posent. Il va y avoir de l'eau. Non, non, non. En général, ils ne bougent pas les sources d'eau. Bah, C'est sur ça qui est ça, jette de chiant la là. lave alors. De la lave à cette hauteur, j'en doute fort. Ah bah arrête de trouver des excuses aux mignons, ils sont cons, hein. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Hop. Désolé, mais Qu'est-ce qu'il te faudrait comme ressource à proximité qu'est-ce qu'il de faudrait chambre? comme ressource? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu appelles des ressources exactement? De la bouffe. Bah, de la bouffe, de toute façon, comment dire, notre truc là-bas, on le déplacera ici, ça c'est clair. Moi je te parle d'un truc qui te fait automatiquement les patates cuites. Ah oui, ça peut être bien, ça peut être bien, c'est vrai.